Eh bien, on va commencer par baisser le son parce que ça nous casse les oreilles. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. C'est Kiri Top Knight 064. Voilà, ça devrait aller. Mais non, pas défaut, pendouille. J'espère que vous allez bien. On est là sur un jeu de style Mario Kart, encore une fois, Mario Kart-like. Nous sommes sur Nickelodeon Kart Racer. Donc, un jeu de course avec les héros de la chaîne Nickelodeon. Donc, déjà, c'est une vidéo découverte totale pour moi parce que c'est la première fois que je lance le jeu. Le multi va jusqu'à combien? Ok, 4 joueurs. Déjà, c'est bon à savoir. Et il n'y a pas de mode en ligne. Ok, c'est que du local. Ok, la boutique. D'accord, c'est juste pour acheter des accessoires pour augmenter le véhicule. Bon, ben on va lancer un joueur. On a donc le mode Grand Prix, course libre et contre la montre. Ok, bon, on va faire une course libre. Tout ce qu'il y a de... Ah, on peut la faire en équipe. Bon, on va faire en solo. En équipe, ça doit être un peu comme Mario Kart. Alors, les circuits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 circuits. Après, est-ce qu'ils sont bien? À voir. Rallye à Hillwood. Allez, on tente vitesse. La vitesse des véhicules. Ouais, c'est les cylindrées de Mario Kart encore. On va mettre en normal. Il y a en... en fastoche. J'ai juste fait une course pour ne pas paraître ridicule et connaître un petit peu les commandes. Donc nous avons en termes de personnages Bob l'éponge. J'imagine que je ne le présente plus lui. son copain Patrick. Bon, c'est, je crois que c'est son employeur. J'ai un trou, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé ça. Oh là là. Sandy, je sais pas d'où elle sort. Tommy, c'est pareil. Angelica. Reptar. Arnold, ça me dit vaguement un truc, ça. C'est pas récent, ça c'est sûr. Elga, je crois que ça va avec la même série qu'Arnold. Et les Tortues Ninja, donc Mickey, donc Michelangelo, Ralph, Raffaello, ou Raphaël, ça dépend des versions, Leo Leonardo, et Donatello. Donc... En vrai, juste pour le délire, juste pour la connerie, j'ai envie de démarrer avec Bob l'éponge. Ça pourrait être rigolo. Oh là 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 là. Juste pour le fun. Apparemment, on peut pas changer ça encore. Alors, voilà, j'ai fait une course en mode facile tout à l'heure. Et ce qui m'a un petit peu rebuté, c'est... La vitesse est inexistante. Donc là, je l'ai mis en normal pour voir si ça va un peu mieux. Parce qu'en mode facile, ça se traîne grave du cul quand même. Voyons. Alors, en normal, voilà, c'est déjà un point de mieux. On sent que ça avance. Non, si vous jouez à ça, jouez pas en mode vitesse facile, hein, parce que franchement, ça se traîne grave du cul. Alors, on se dirige avec le stick. Non, sans blague. La gâchette R2, parce que je rappelle que nous sommes sur PlayStation 4, sert à accélérer, et la gâchette L2 au dérapage. Lâcher le dérapage fera engendrer donc un boost. Là, je vous envoie un biberon à la figure parce que je suis comme ça. Voilà. Vous dérapez pour engendrer du boost. La touche croix sert à utiliser les objets. Et ce liquide vert qu'il y a au sol sert à augmenter une jauge à gauche qui est en fait une jauge de nitro turbo que vous allez libérer avec la touche triangle pour bénéficier d'un énorme boost en fait. Et je vois qu'en mode normal ça se traîne beaucoup moins du cul, ce qui est vachement agréable. Donc si je déclenche ça, je vais pouvoir engendrer un boost. Attention parce que les autres peuvent en profiter du coup. Et maintenant que la jauge est pleine, si j'appuie sur triangle, hop, je fonce à grande vitesse.
Et je suis content parce que les appréhensions que j'avais tout à l'heure sont en train de partir. Voilà, j'avais mis le jeu en vitesse débutant, mais il n'y avait aucune sensation de vitesse, c'était mou du cul. Et là, franchement, ça va beaucoup mieux. La touche carré pour regarder derrière. Donc voilà, mes appréhensions que j'avais sur le jeu sont en train de partir. Là. Tiens, cadeau. Ah, mais je l'ai lancé devant, moulé. A noter que les circuits changent. Les circuits changent. Vous voyez qu'on n'avait pas ce souterrain tout à l'heure en fait. Oh là 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 là. Bah, je suis content, j'ai un petit peu plus de difficulté que tout à l'heure. Ah bon sang. Non, non, mais ne doublez pas tous maintenant. Ça va pas le faire. Allez, 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 allez. Non, je l'aurai pas. Deuxième place. Bon, ça va. C'est pas trop mal. Voilà, c'était un petit tour avec Bob l'éponge. Juste pour le fun. J'ai pas vu de DLC nulle part. Donc, tout le contenu du jeu est là. Hein, voilà. Vous avez pas beaucoup de. Vous avez pas énormément de courses. Enfin, vous avez quand même une vingtaine de courses. Si j'avais fait piste, je sais plus si on choisit la piste ou le perso d'abord. Un joueur, course libre, en solo. Ouais. Donc la ville qui ne dort jamais. On va rester en normal, il y a Fastoche, parce que mine de rien, elle nous colle au train. Et on va faire un tour du côté des tortues ninja, genre Leonardo. Hop. Et on relance une course. Donc Mario Kart Live, tout ce qu'il y a de plus classique. Oh, Shredder contre Maître Splinter là-haut, c'était génial. Le petit clin d'œil. La ville qui ne dort jamais. Hop. Alors, on va essayer de prendre un virage un peu serré. Alors, on est dans les égouts des Tortues Ninja, bien sûr. Et donc, sauf que je ne vous ai pas précisé, c'est comme on est dans... Tu veux bien... D'accord. Voilà, merci. Oh là là, va rattraper ce retard. On est dans une sorte de Sonic and Sega All-Star Racing. Avec des véhicules transformables en bateau et en avion. Enfin, plutôt delta plane qu'avion, mais... Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a donc des véhicules transformables dans ce jeu. Est-ce que je vais réussir à rattraper mon retard? Je sais pas. Ah, donnez-moi un boost de turbo, plutôt. Voilà. Je devrais réussir à rattraper le retard malgré tout, quand même. Hein. Excusez-moi, je reste un peu concentré. Ah. Ça y est, on les rattrape. Ça va. Bon. À nouveau, la phase en bateau. Hop, attention les mines. Donc tout le gameplay c'est vraiment basé sur cette espèce de liquide vert qui nous sert à booster notre véhicule. Voilà, dès que vous roulez sur le liquide vert, ça vous donne un boost quoi. C'est pas l'objet que j'ai posé tout à l'heure ça. Allez, tout le monde se pousse. Voilà. Donc voilà, si vous cherchez une alternative à Mario Kart, ça reste quelque chose de sympa. Voilà, alors graphiquement c'est moche. Enfin, moche. Bon, c'est peut-être un peu exagéré.
graphiquement c'est pas ça, voilà, c'est pas de la Play 4, c'est sûr. C'est ah, les couleurs sont jolies, hein. C'est pas tellement ça le problème, c'est chatoyant. Le problème, la direction artistique est quelconque, hein. Bah, les niveaux ont l'air d'être peu inspirés, on verra par la suite, mais pour l'instant, je suis pas emballé du tout. Hein. Ah oui, ça se traîne moins que tout à l'heure. C'est sûr. Je sais pas où il est passé le premier, mais ouais, il est là. Raphaël, on te rattrape. Hop, une petite abule derrière. Allez, on va juste en faire une dernière. Voilà, histoire de... Je vais essayer de trouver un environnement plus varié s'il y a, mais j'en ai pas tellement vu dans la liste. Ça a l'air d'être vraiment des niveaux urbains avec, avec du slime vert. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, donc on est dans une sorte de... de course bonus pour gagner des... Ok. D'accord. À quoi elles servent ces boîtes? À gagner des points. D'accord. Et ces points, j'imagine qu'ils seront à dépenser dans la boutique qu'on a vue tout à l'heure. Ensuite, donc côté niveau, on a des salles de classe, des égouts encore. Un truc qui pourrait changer à la limite. Ouais, allez, on va faire un tour du côté de Bob l'éponge. Voilà. Vitesse normale, fastoche. Et on va finir avec cette espèce de dinosaure. Que je ne connais pas du tout, excusez-moi. Hop. Tout pareil, tout normal. Et on va faire une dernière course. Pour l'instant, bon, j'ai un avis positif sur le jeu. Ouais, le problème, c'est graphiquement, il n'est pas enchanteur du tout. Et celui qui est peut-être un peu trop présent. On verra par la suite. Après, la sensation de course est bonne. Hein. J'avais beaucoup d'appréhension tout à l'heure parce que ça se traînait du cul, comme je le disais. Mais maintenant, une fois avoir passé la vitesse en normale, ça va. Voilà, ça marche comme les cylindres de Mario Kart. Et il est gros, ce dinosaure. Un petit peu de concentration. Ok, donc ce machin existe. J'ai pas pris de niveau avec deux phases aériennes apparemment encore, mais j'ai vu qu'on avait des ailes dans la customisation du véhicule, donc c'est pas pour rien quand même. Hop 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 hop. Oula, ça va vite. Voilà, alors là on reconnaît bien l'univers de Bob l'éponge, hein, perso. Ah bah voilà, une phase aérienne. Sauf que je me suis complètement... Voilà, c'est du delta plane, c'est pas de l'avion comme Sonic Racing. Au moins on est fixé. Hop, un petit coup de boost. On crache des flammes. Je sais pas du tout qui c'est ce perso. Ni de quelle série il est tiré. Bon, allez, on est en première place, on y reste. Soyez sympa. Ils sont pas cool. J'avais un peu peur pour l'IA, mais ça va. En vrai, ça va. Je sais pas si les objets restent si on les met dans le liquide. À voir.
Ok, on va essayer de pas trop se merder sur la phase en delta plane alors. Ah. Point. Non, j'ai pas compris comment on faisait alors. Il y a un truc que j'ai pas compris sur cette phase. Bon, il faut pas toucher les méduses, ça je viens de le comprendre à l'instant. Je suis sûr que c'est la noisette que j'ai laissée tout à l'heure. Ça. Et c'est moi qui me la prends. Pas cool. À passer ici. Oulala, 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 oulala. Lancer de ballon de rugby. Allez, on avance, on avance. Ah, c'est pas si simple. Bon, alors là, c'est le passage. Il faut vraiment que je comprenne comment ça marche. D'accord, on prend de l'altitude avec oh, oh, d'accord, c'est bon. Bon, il m'aura fallu 3 tours pour capter quand même. Ah, c'est pas possible. Et nous finissons en 7ème position, ce qui est loin, loin, loin d'être honorable. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, j'ai une petite première idée de ce Nickelodeon Kart Racer, ou je ne sais même plus comment il s'appelle. C'est ça, Nickelodeon Kart Racer. Voilà un premier avis. J'espère que vous avez pu vous faire un premier avis vous aussi. C'est pas mal. C'est... Voilà, c'est le minimum syndical qui a été fait, quoi. Il y a peu de coureurs, les circuits sont tous des copier-coller et graphiquement peu inspirés. Après, en manette en main, il y a de bonnes sensations, ça va. Voilà, je pense qu'en difficile, on peut atteindre un peu plus de vitesse quand même. Là, l'IA était en facile, donc je pense qu'on peut avoir pas mal de difficultés dans les niveaux au-dessus. Je testerai tout ça de mon côté et vous proposerai très certainement un vidéo test quand je l'aurai torché en long, en large et en travers, comme d'habitude. D'ici là, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser, comme d'habitude, le petit pouce en l'air, ça fait grandement plaisir et ça aide la chaîne. Laissez un commentaire éventuellement, je les lis tous et ça me fera plaisir de vous répondre. Et pensez surtout à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette sur la page d'accueil en haut à droite, c'est très important pour que vous soyez tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, vidéos découvertes, tests de jeux et un petit peu moins, mais il y en a encore, des let's play. Sur ce, à très bientôt et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien.